Yo les amis, c'est Matt. J'espère que vous avez la pêche. Je sais pas si vous avez vu, mais je vais vous montrer. Des nouveaux héros ont été leakés par le biais du dataminage, évidemment, hein, classique. Donc on retrouve des skins qu'on connaît, hein, qui sont pas vraiment nouveaux. C'est pas vraiment. Enfin, vous allez voir. Donc déjà, il y a Tora. Tora qui arrive. Bon, moi, ce skin-là, honnêtement, je l'attendais un peu. Parce que je l'avais sur le Battle Royale et j'adore ce skin, je le trouve vraiment super beau, super stylé. La petite viking blonde avec son armure épaulée et tout, je le trouve vraiment sympa. Donc, ce qu'on peut voir déjà sur le leak, c'est du dataminage, donc c'est des infos qui ont été intégrées dans le jeu à 5.2. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle s'appelle Machiniste Tora. Donc, Machiniste, voilà. Donc c'est un reskin. Je tire pas de conclusion hâtive, mais machiniste, c'est machiniste quoi. Machiniste Tora utilise sa base pour améliorer la puissance des pièges. Donc forcément machiniste quoi. Donc si c'est un reskin, honnêtement, personnellement ça me dérange pas, j'ai pas monté machiniste. Donc comme j'avais l'intention de la monter, je préférerais monter celle-là. Je trouve le skin beaucoup plus joli, même si l'autre est sympa. Un peu baroudeur avec ses lunettes de soudure et tout. Mais clairement, je vais monter celui-là, moi, si c'est bien ça, encore une fois, on peut avoir du dataminage. On a déjà eu du troll de la part d'Epic Games. Donc, à prendre tout de même avec des pincettes, même s'il y a de fortes probabilités. On retrouve après Ragnarok, évidemment, qui est dans le leak, mais Ragnarok au moment où le leak est sorti, Ragnarok, évidemment, n'était pas encore sorti officiellement. Donc ça faisait partie du dataminage également. On retrouve Raider Street Racer Proto. Donc Raider, c'est l'SP pompe. Donc le lapin, celui que vous débloquez à la collection quand vous atteignez le palier 100. Donc Nomade ou Rapace, il s'appelle. Vous avez la coupe-tête du premier Horde Bash, tout simplement. Son skin est très sympa d'ailleurs, j'aime bien. Donc là, Close Quarter Battle Expert with the Focus on Shotgun Perks. The Shotgun. Quarter Battle. Voilà, c'est Raider quoi. Classique. Après, le skin est sympa, mais il me fera pas détourner. De la coupe-tête, la Raider coupe-tête, je la trouve juste géniale. Donc, il ne fera pas détourner. Ensuite, on retrouve Uniforme Proto. Uniforme Proto qui, on n'a pas plus d'infos que ça. C'est quelque chose certainement qui a juste été injecté, mais qui a pas été. On n'a pas sorti plus d'infos que ça. Donc, on voit le skin de la secrétaire qu'on a sur le Battle Royale. Un skin sympa aussi. Qui d'ailleurs le visage c'est le visage de Ryo si je me trompe pas. Ça ressemble bien à Ryo en tout cas. Donc on dit rien de plus pour l'instant sur ce personnage. On n'a aucune description donc on peut pas savoir plus que ça. Hein. On a Paintball Proto où cette fois-ci on n'a même pas d'image. Donc à part c'est marqué PH. PH peut-être pour Picardie, mais généralement c'est de l'anglais. Donc Picardie, c'est pas Picardie en anglais, c'est Twin Peak. Donc PH, je sais pas. Si vous avez une idée, dites-moi. C'est peut-être quelque chose de très simple, simplement qui me vient pas à l'esprit. Et on retrouve avec la notation Road Trip cette fois-ci. Quand on suit la description, c'est simplement du combat à courte portée, du close range, avec une faux. Donc qui utilise les smoke bombs. Et les ombres pour pouvoir survivre sur le champ de bataille. Ça vous dit pas quelque chose? La moissonneuse. Pour moi, forte probabilité d'un reskin de la moissonneuse. Donc c'est un perso que je joue quand même en ce moment pas trop, mais dans la globalité assez souvent quand même. Donc s'ils font un beau reskin, ça pourrait peut-être bien m'en faire monter une deuxième. Et il y a peut-être des possibilités d'ailleurs avec le en ayant deux combinés ou il y a des trucs à faire. Donc voilà pour Sleek, c'est des infos que j'ai pu récupérer.
Et je le fais pas souvent, mais là j'ai trouvé les skins sympas, j'ai pu le faire donc je l'ai fait. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous tente que je continue à balancer de l'info. Après, est-ce que c'est du data minage? Donc c'est quand même des infos pertinentes. Balancer des. Peut-être lui il a dit, puis lui dit, et puis moi j'ai vu, et puis. Non, clairement non. Mais là c'est du concret quoi. Forcément des trucs qu'on connaît. Après, j'ai spéculé un peu sur le fait qu'ils aient leur nom, mais je pense pas me tromper. Machiniste, raider, je pense pas me tromper honnêtement. Donc si vous avez liké la vidéo, ben simplement vous la likez en vrai, physiquement, en cliquant sur le petit truc. Pour le participer au référencement, tout simplement, parce que ça fait du bien pour la chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Not like.